histoire, une nouvelle histoire d'exploits, d'efforts, d'échecs et de succès. Une nouvelle histoire d'abonnement, de rageux et de pouces bleus. Une nouvelle histoire d'un youtubeur compté à travers le seul livre d'internet. Au public, les terres de YouTube vous semblent enchantées, mais ceux qui étaient là l'année dernière savent qu'un youtubeur indépendant, qu'un artiste indépendant est aussi vulnérable, seul face aux bandits sans scrupules, exploitant le travail des autres, volant le contenu et manipulant les audiences. Mais une nouvelle engeance d'ennemis de la créativité se tient parmi vous. Trop nul le concert. En plus, le Digimon, c'est le que Pokémon qui était né avant. Mais qui est l'enfant de Pudaki? Oui, je parle bien sûr des fans. Yeah.
mettre. Oh là là, les dents, stop là. Vous faites quoi là? Est-ce qu'on met sur scène ici, monsieur? Hein? Tu fais quoi sur scène ici là? Tu me reconnais pas? Oh non! C'est lui! La folle! La terrible! T'es qui, Jean? Hein? T'es qui, Jean? Igor Vandelkach, ancien producteur des autres, là, pire ennemi. Je sais pas toi, je me souviens vaguement que t'étais un gros porc capitaliste, mais à part ça. Vous savez quoi? Qui se souvient de lui? Non, personne. Vous savez quoi? On va voir un résumé du spectacle précédent, ce sera plus simple. On peut faire ça? Dans le spectacle précédent, Dai faisait de la musique tranquille dans son coin. Quand ce connard de Vandelkach est venu pour se proposer comme producteur, il eut à casser les couilles pour un salaire ridicule, mais heureusement, la sage Sacha a convaincu Dai de l'envoyer chier. Depuis, notre duo joue la meilleure chanson qui marche très bien, et Vandelkach est allé se pendre. Hein? Quoi? Mais je suis pas mort! Ah bah... pas la scène, hein? Ah, c'est quoi bien de manier les commentateurs? C'est du fascisme! Et c'est moi qui dis ça! Bon, désolé pour l'invasion de troll, hein. On va dire qu'il s'est rien passé et on continue le spectacle, d'accord? Ouais! Ça, j'aime ça. On y va. Ok, c'est la gamme de bonne ici! Bon,
et ça risque d'aller au placard. Rien ne m'arrête. Bon, par contre, là, ils font déjà plus de 50 chansons et mes commentaires n'ont pas l'air de les ralentir. Donc, faudrait que je trouve un autre plan. Que faire? Ah oui, je sais. Je vais aller sur Sens Critique, faire un top 10 des pires groupes de musique et les mettre mon numéro 1. Les mêmes résultats sur le site. 65 dislikes, on prend un like. Et non, le un like, c'est pas moi. C'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle aime bien me soutenir dans mes projets critiques de groupes de musique, producteurs, faire revenir le 4e Reich. Bref, un autre plan. Je sais, je vais créer une loi européenne qui va empêcher la création YouTube. Je vais appeler ça l'article. Ça existe déjà, c'est ça. Et puis je vais arnaquer si on me pique mes plans avant que je les sors, moi, de vrais chanteurs. Trop dur. Non, un autre plan. Je sais, je vais contacter d'autres youtubeurs et leur filer une mauvaise réputation. Voilà, j'ai quelques contacts dans le milieu, voilà, j'ai des potes, voilà, comme par exemple Squeezie. On va essayer Squeezie, voilà. Vieux pote de longue date. Allô, Squeezie? Ouais, c'est ton pote Vandal Cash. Tu vas me voir quand je vais t'enlever ton stock de gel, moi. Alors, joueur du grenier. Tout va bien, c'est juste 20 points d'audition en moins, donc on va essayer quelqu'un d'autre. Fabien Fournier, voilà. C'est le mec qui a fait Noob, un culte. Allô? Allô? Oui, j'ai déjà dit allô. Allô? Connard de JDG. Allô? Allô? Oui. Ah, là, il m'entend, voilà. Salut, c'est Patrick. Patrick. Ah, salut Patrick, alors, comment vont les gosses? Ça va, ouais. Dis-moi, je voulais te parler d'un truc, en fait. Vas-y, mais alors fais vite, parce que je suis en train de produire le prochain jeu vidéo Noob, mais j'ai pas mal de post-prod sur les futurs épisodes de la web-série. Putain, monstre. J'ai vu un truc intéressant sur Internet et je voulais t'en parler. Tant tu me déranges en plein boulot pour parler d'un truc que t'aurais vu sur Internet. Vas-y. C'est un truc qui s'appelle Starry Sky. Starry quoi? Starry Sky, c'est un groupe de musique en fait. Ah ouais. Ouais. Et voilà, c'est des petits couleurs, je suis un peu débile, la fin de mon gars, Bah ça tombe bien, je cherchais justement un groupe de musique pour faire un générique pour Noob, un peu dans un esprit de ces animés. Bah écoute, je vais les contacter, c'est quoi? Dans un monde où les ténèbres font leur apparition, pour nous sauver, il te faudra une réflexion. La portée de l'empire, pas pour la coalition. Let's go, let's go, le DJ Major. En un instant, je suis mort dans mon enfance. Let's go, je crois que j'ai peur. Thank you.
Alors, va-mourir-taille@gmail.com. Voilà. Alors, ils se la pètent trop en se donnant à Georges Hip-Hop. Envoyez. En plus, la musique est trop forte, on n'entend pas la voix. Envoyez. Plagiat YouTube, envoyez. MDR, c'est quoi ce vieux travelot? Vous êtes trop et totalement. Voilà. Que le spectacle commence. Plagiat YouTube, MDR, c'est quoi ce franchement, tu fais pitié, STP arrête. Pourquoi y'a l'autre déchet qui gâche tout en chante un faux avec son accent de bouffeur de baguette? Si le culasse c'est géant, c'est plutôt décevant. C'est nul et un peu plaisant. C'est quoi cette merde, dit-il? Y'a trop de son en même temps, c'est hyper bâclé, c'est mauvais. Vous êtes bon et sans talent. Faudrait juste enlever ta voix et le morceau serait bien. Ça change rien que t'es moche de sourire. Je trouve que la fille, elle se lavait énormément. La vie, elle a l'air de beaucoup penser.
un artiste n'est rien sans son public. Démotivé, démoralisé par tous ces commentaires assassins, Taille se recueille devant son piano, contemplant la possible fin de sa carrière pleine de regrets. Je peux avoir plus de claviers dans le retour, s'il te plaît. Moi aussi. J'entends rien de ce que je fais. Merci. À moi un peu plus, s'il vous plaît. Bah, joujou. C'est pas possible d'avoir plus. Ah non. Allez. Oh,
Demander à Yuki, il est japonais, non? Tu t'y connais en tout ce qui est otaku, jeux vidéo, tout ça, non? Ouais, c'est ça, lui aussi, j'adore le karaté et t'adore les toupies! Merci. Mais en vrai, il a raison, t'as pas une idée, genre, un truc qu'on pourrait faire? Ouais, bon, il y a un truc sur Twitter japonais, là, c'est une version française de Bowser, et ça s'appelle Bowser. Ça commence à être pas mal connu ici. Alors? Je pense que c'est une super bonne idée, je pense que ça plaira au public internet. Et faut que... Franchement, je sais pas trop, hein. Tu sais, les trucs internet, ça se démode vite, c'est un peu une idée à la zut. C'est ta mère qui se démode vite, tête de con, mais c'est pas possible. Mais en plus, ils peuvent pas m'entendre, écoutez, je vais utiliser mes pouvoirs de narrateur. Ok, d'accord, et les mecs, on fait un truc là-dessus, hein. On fait un truc là-dessus, c'est obligé, là. Bon, je vois bien ce qui vous motive, mais faudrait quand même savoir quoi dire sur elle. Ah ouais, j'avoue, parce que j'ai vraiment pas d'idée de parole. Bim. J'ai plein d'idées de parole sur mon set. Jagger, they will serve us today. They don't have to see, 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 see
ayant existé aura pensé aux mêmes femmes qui s'est opposée. Quand tu viens en super dans tout ça, elle a toujours été une bonne tête au fond de moi. Mais là où est grand il est déjà chez les filles. Pas besoin de couronne pour qu'il me trouve sexy. J'ai les bouillons.
puissent enfin retrouver l'amour de leur public qui en fait ne les avait jamais vraiment quittés. Et les plébiscites furent si massifs que les commentaires positifs outrepassèrent largement les négatifs. Surtout les commentaires de l'autre émoi d'humaine là. Encore une chanson de merde envoyée. C'est quoi ce plan séquence qui s'appelle? Je vais mettre peut-être ton oreille gauche. Alors, c'est celui qui fonctionne, c'est ça? Non, c'est l'autre qui fonctionne. Je suis là, c'est le joueur du bonnet qui l'a pété. Ah, d'accord, c'est... et c'est celui-là qui fonctionne encore. Ouais. Ça marche. Ta gueule! Mais t'as pas! Mais c'était toi les commentaires négatifs en fait. Putain, t'es un bâtard en fait! Ceci dit, ça explique l'orthographe et du coup. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, sérieusement, qu'est-ce que t'as dit? Je crois qu'elle marche vraiment plus là. En fait, ce qu'on essaye de dire surtout, c'est qu'il y aura toujours des gens sur internet pour vous démoraliser et vous couper dans votre élan créatif. En vrai, même s'il y a des trolls rageux en effet qui sont monomaniaques comme lui hein, qui existe. Quoi? C'est genre, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est surtout une masse nébuleuse d'inconnus qui ont trop de temps libre, venant juste cracher sur vos créations pour se sentir supérieur. Parce que voyez-vous, détruire sera toujours plus facile et rigolo que créer. Mais les vrais créatifs savent. Ils savent qu'il faut prendre des risques, qu'il faut savoir faire face au public. Car si les critiques assassinent, nous immobilisent. Les critiques positives, les critiques constructives nous font avancer. Ils savent que détruire n'apportera jamais autant de fierté et de bonheur que construire. Je m'adresse donc à tous les jeunes créatifs, artistes en devenir dans le public. S'il vous plaît, sachez que votre art fait partie de vous-même. C'est votre âme. Alors, merde orageux et n'arrêtez jamais de crier! Quoi? Et de la même façon que nous autres artistes essayons de créer un monde de fun et de rêve pour notre public, vous, le public, vous êtes les architectes de notre volonté et de notre carrière. Vous êtes la source de notre motivation. C'est grâce à vous que nous existons, alors au nom de tout le groupe, merci! Est-ce que t'as pas rigolé là? J'ai rien compris là! Tu peux répéter? Au plus fort de préférence! Je t'ai détaqué pas. Yuki, tu peux nous déboucher les oreilles s'il te plaît? Je vais m'en prendre ça, Escari! Je reviendrai! Mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait remercier notre public d'être venu? Je sais pas, on a bien la preview du prochain Jam Fiction, mais je sais pas si ça les intéresse. Ah, c'est la pression là. Ok. Bon, il est pas sorti encore. En avant-première, le prochain Jam Fiction, c'est parti. Jury.
Alors, j'ai écrit ça, j'ai fini cette chanson au milieu de la nuit, j'ai fait une nuit blanche pour la finir. Genre, j'ai pas osé voir vos visages pendant le clip. Genre moi non plus, je pouvais pas regarder. Hein. Mais j'en conviens que ça va, vous avez un peu aimé. Ça marche. Ça va aller le coup, hein. Écoutez, ben, merci beaucoup d'être là depuis aussi longtemps pour nous. Avant, alors déjà, une chose, merci beaucoup à Kogane pour avoir fait les dessins que nous allons cueillir dès maintenant. S'il vous plaît. On a dans Bernard Bono, c'est grâce à elle qu'on a les illustrations pour John Fiction. Alors, big up, applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Au passage, elle vend des posters, des illustrations, des chiquichis sur le stand, c'est là-bas. Il y a un beau Z en chiquichis, il n'y en a qu'un seul. Il est unique. C'est unique au monde. Le premier qui va là-bas, eh ben, c'est il pour a... lui. Il est déjà parti. Il y a un dernier truc. Encore merci à elle, voilà. Et puis merci aussi à Soumachou d'avoir bien prêté sa voix pour le personnage de. Qui est pas là, malheureusement. Qui est pas là, malheureusement. Mais qui a une voix de Prince Disney, en fait. Qui a une voix de Prince Disney. Très beau. Non, mais c'est super, écoute. Eh ben, moi, je suggère qu'on termine avec une danse des internets. Ah, merci. Allez, vas-y, c'est parti. Il y a des staffs. Et on accueille les noobs, les staffs, les staffs. Les siens, on a vite. On s'en bat les couilles. Tout le monde vient danser. Les sœurs qui sonnent. Elles sont là, la famille. Il n'y a pas besoin de connaître les pas. Et c'était sûr. Pokémon.
sécurité, on va fusionner ensemble. 1, 2, 3, 4. Et c'est vraiment un accueil très chaleureux, donc merci beaucoup. Ce n'est pas juste que l'année d'un nouveau spectacle, c'est aussi la première année de notre indépendance. Ça devient politique. J'aimerais un maximum de oui pour ceux sans qui on pourrait pas être là. Merci à l'organisation d'Art to Play. Du spectacle, les techniciens ils sont géniaux. Merci beaucoup. Et enfin, avant que le festival ferme ses portes. Ah oui, bah tiens, on peut dire la bien juste totalement. Et elle est derrière, elle contrôle l'ordi et elle le fait très très bien. Un maximum de bruit pour Julie, notre aide de scène. Ah ben, tu vois ? Ben oui, je suis con. J'ai engagé pour ça et je ne sais même pas. Vas-y, allez. Vas-y, pop. Attention, tout le monde se rapproche. Et... Yes. 3, 2, 1... Yes, papa. Le festival ferme ses portes, on a un stand juste là, il est noir et rouge, là on le voit un peu. C'est Starry Sky, c'est marqué la même chose qu'ici. Si vous voulez nous rejoindre à la fermeture du festival, il nous reste très peu de CD, de t-shirts et de posters parce qu'en fait ils sont vachement partis aujourd'hui, on n'a pas pris assez. Donc si vous voulez, c'est maintenant tout de suite, on vous y retrouve. Sinon on est là demain, mais c'est pas sûr qu'il en reste. Voilà, merci beaucoup! Si tu peux me permettre, un dernier petit mot avant d'aller sur le stand. C'est rapide. L'année dernière, une fille est venue me voir sur mon stand au moment de la fin de Boxmakers. Elle m'a dit, ça me fait drôle quand même que ça soit fini, parce que mine de rien, j'ai commencé, j'étais en 6e, c'est fini, j'ai passé mon bac. Vous étiez là pour moi depuis 6-7 ans. Vous avez fait en fait l'entièreté de ma jeunesse, j'ai grandi avec vous. Ça m'a... J'ai l'impression que j'ai compris à ce moment-là que je contribue vraiment à quelque chose de bien pour les gens. Je m'en rendais. C'est dur d'exprimer. Tout ce que je veux dire, c'est que j'espère. J'ai été là pour vous pendant très longtemps dans votre jeunesse et j'espère continuer à grandir avec vous et être encore là jusqu'à la fin des temps. Merci beaucoup! Je pense que tout le groupe pense pareil. Allez, on se retrouve sur le stade maintenant. Merci beaucoup!